Ça m'envoie du dégoût pour toi, Jonathan. Le dégoût de... Alors, le premier étage, il y a du dégoût. Qu'est-ce qui a créé le dégoût? C'est une limite. Ah. Ok, je touche une énergie, j'ai du mal encore à la... à aller voir ce qu'il y a derrière. Cette énergie me dit, j'ai du mal à placer mes limites. J'ai du mal à placer mes limites, j'ai du mal à... Ah non, c'est pas placer les limites. J'ai du mal à placer, à dire aux gens que j'ai des limites. À exprimer que toi aussi tu existes. Et pourquoi tu as du mal à faire ça? Pour subvenir à tes besoins. Pour être sûr que les autres te regardent. Alors qu'en fait, ils ne te regardent réellement. Ils ne te regardent... Ils ne te regardent pas réellement parce que c'est toi qui les en empêches évidemment, mais parce que c'est un faux semblant que tu viens me dire là. Ok. Pourquoi c'est un faux semblant? Ok, ce sera plus rapide dit comme ça. Le meilleur moyen qu'a trouvé la vie pour te faire comprendre que tu as quelque chose à aller voir, c'est d'augmenter le volume. À quoi renvoie l'ouïe chez toi? C'est une connexion à ton subconscient, ça me dit. Ok, d'accord. Y a un niveau, il y a un truc au niveau, un système au niveau énergétique dans ton chez toi qui est pas fonctionnel. Et pourquoi il n'est pas fonctionnel? Parce que tu ne l'utilises pas. Et tu ne l'utilises pas parce que c'est interdit. Et ça, c'est ce truc que tu n'utilises pas, c'est une ressource. Donc du coup, la vie augmente le volume pour que toi, tu ailles voir ce que c'est. Il y a vraiment une sorte de priorité à aller voir tes limites, effectivement. Ce que je disais au départ. Tes limites. L'expression de celle-ci. Quoi d'autre? Limite, expression de celle-ci, ouais. Pour le groupe, la vie ne se venge pas de nous. La vie nous montre quelque chose. Donc ça, c'était le premier étage. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on se sent beaucoup trop éloigné des gens. On se sent comme si on était sur une île déserte, on voyait le continent à l'horizon, mais on ne pouvait jamais, jamais atteindre les autres. Voilà ce que vibre le groupe ce soir. Souhaite avant tout être écouté pour qui on est. Et on a l'impression que c'est pas le cas. On a l'impression que les autres ne sont pas là pour réellement pour ça. Donc il y a une espèce de jeu bizarre qui s'instaure entre nous et les autres. Et ce jeu fait qu'on se dit que je sois là ou pas, ça change rien. Donc je préfère ne pas être là. Au moins je serai peinard. On se recroqueville sur soi-même et ce faisant, on ne participe pas au jeu. On ne va pas voir, on ne va pas révéler nos qualités, nos ressources. Et on met ça en forme, en fait on cache tout ça, tout ce jeu un peu nauséabond sous le truc je suis mieux tout seul, ou plutôt la version perchée c'est je suis tout puissant, je suis illimité. Voilà, oh, là ça bouge. Merci pour ta question, Jonathan.